Donc là, c'est MXE 23.1 sous l'environnement KDE, que vous connaissez, c'est pas mal d'entre vous. Donc là, j'ai désinstallé, je commence à désinstaller des logiciels, et là, je suis en train de me demander s'il n'y a pas un petit bug. Parce que là, vous voyez, celui-ci, là, hein, dans l'onglet jeu, celui-ci, là, je l'ai bel et bien désinstallé, et il est encore là. Alors, ce que je vais faire, je vais vous le faire voir. Alors, si je passe directement par là, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça n'a pas l'air de vouloir. Normalement, on peut désinstaller par là, désinstaller ou générer. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Bon, alors ce que je vais faire comme si je l'édite. Je vais faire un copier-coller. Voilà, hop, je fais copier. J'échappe. Je vais ici donc dans les mises à jour. C'était où déjà? C'était où les mises à jour déjà dans KDE? Ah bah ça y est, je me suis paumé tout seul. Non, c'est pas un XT, c'est où les mises à jour déjà? Bordel. C'est dans le système. Là. Discover, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc je l'ai désinstallé. Normalement, il est désinstallé. Alors, est-ce un bug? On va voir ça. Donc j'ai fait un copier, je fais coller pour aller plus vite pour rechercher, justement. Alors moi, donc par rapport au nom, lui il me donne ça. Et apparemment, le nom, moi j'ai ça. C'est dans le jeu. Alors je sais pas si vraiment c'est un jeu, je pense que oui. Est-ce que ça marche? Bah oui, c'est un jeu. La preuve. Allez, ferme-toi. Bon, il va pas se fermer, hein. Ok, il va pas se fermer. Ah, bon. Donc apparemment, il ne trouve pas ça. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. Jusqu'à présent, ça a fonctionné, mais celui-ci, il a du mal. Alors, si je vais dans le jeu... On va aller dans installer. Installer. On va trier par nom. Ok. Donc c'était... Alors, on va retourner dans l'accueil. J'ai l'impression que ça merdouille, là. Bon, installer. Bon, je vais recommencer. Si je fais ça. J'ai l'impression que ça lag. Parce que là, c'est pas normal. Bon, vous allez me dire, je suis sur machine virtuelle, bon. Mais, voilà. Mais en plus, je suis sous l'environnement KDE. Donc, l'environnement KDE, il est un peu plus lourd. Là, il me dit qu'il a rien trouvé. Ah bon, c'est bizarre. C'est bizarre puisqu'il est là. Et le pire, c'est que si je vais... Bon, je vais retourner dans le jeu. Je vais trier par nom. Alors, si je... Et ça commence donc par un L. Libre machin là. On va essayer. Alors j'ai H, JK. L, ça s'appelle L. L, j'ai dit. IJK, LM. Alors vous voyez, je l'ai même pas là. Je. Ah non, c'est LB, LB. L... Ah bordel, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai touché là? Non. J'ai touché à quoi là? Bordel, j'y étais. LB. Alors voilà ce que j'ai moi, LB. Et ça s'appelle bien donc LB en majuscule. Et on a ça. Et moi il me dit de l'installer. Alors qu'il est déjà installé. Et j'ai pas d'autre LB là-dedans. Et si je regarde là, ça veut dire que je peux les installer. Donc il faudrait que je regarde ici où c'est marqué désinstaller. Mais là, je suis plus dans les L là. Ah, c'est bizarre. Bon, c'est peut-être un bug. Faudrait que je regarde sur mon PC physique, mon PC principal. Faudrait que je regarde si c'est le même bug. Donc là, je vous ai déjà fait voir ça. Et comme je vous ai fait voir, pourquoi ici ça ne fonctionne pas? Désinstallé. Il veut pas. Non, il veut pas. Ça s'ouvre pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Si je prends par exemple le GIMP, moi je m'en sers pas. Si je fais désinstaller, ça m'ouvre bien Discover. Voilà, pour désinstaller. Alors moi j'aime bien quand on peut directement désinstaller par le menu démarrer. Et vous voyez, avec libre wipeout, là je sais pas quoi 2, ça ne fonctionne pas. Mais là, hop, on peut désinstaller sans problème. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ben, il y avait un message, j'ai cliqué sur oui, cette action supprimerait également les paquets suivants. Bah oui, d'accord, ok. Je croyais qu'il y avait des trucs qui touchaient au système, c'est pour ça que je me suis repris. Alors c'est un peu plus lourd, hein, KDE, l'environnement bureau KDE, c'est un peu plus lourd que XFCE. On le sent, hein. Donc voilà, j'en ai essayé quelques-unes, hein, et ça marche, pour l'instant ça fonctionne, on peut désinstaller directement par menu. Donc maintenant je vais essayer un truc, c'est que je vais laisser la fenêtre ouverte de Discover, puisque je viens de désinstaller un truc. LibreOffice, tiens, on va essayer LibreOffice Math. Donc maintenant si je laisse la fenêtre ouverte, est-ce que si je fais ça, ça fait quoi? Ah, ça bascule, d'accord.
Je voulais être certain que ça m'ouvre pas une autre fenêtre Discover. Parce que là, ça aurait été sur et sur le gâteau dans les bugs. Vous imaginez, vous, ça ouvre plein de fenêtres. Donc c'est bon, apparemment, ça bascule. Bon. Je me disais quand même, j'espère qu'ils m'ont pas fait ce bug-là, parce que... Donc je continue mes petites désinstallations, et je reprends ça. Bon, maintenant, hop, alors il y en avait une autre aussi que j'ai vue, je sais plus où. Ouais, celle-ci. Ah. Pareil, Strawberry là, c'est pareil. Ça ne trouve pas. Bon, enfin bref. Donc maintenant, si vous voulez par exemple changer le nom, si vous trouvez que le nom est trop long, si je prends exemple MX Outil, on a ça par exemple, MX machin. Si vous voulez changer le nom, vous faites éditer, vous allez sur application et c'est là qu'il faut changer. Hop, je vais laisser en anglais, on fait OK. Vous ne touchez à rien d'autre. Surtout si vous n'êtes pas avancé comme moi. Parce que après, c'est assez difficile pour remettre comme c'était. Et des fois, moi, je n'y arrive pas. Si par exemple, celui-ci, pareil, on fait éditer. On va sur application. Hop, vous écrivez ce que vous voulez après. Le mieux, c'est de laisser quand même. On va dire comme c'était, sauf que vous réduisez. Ce sera mieux pour faire une recherche, par exemple. Et là, on fait OK. Là, puis là, ça a donc modifié. Alors, il n'y a pas d'obligation, mais bon. Comme là, par exemple, information rapide sur les systèmes. Donc, quick system info, ça ira très bien. Hop, on se met là. On supprime les caractères qui sont juste avant. On se met bien à gauche là. Hein. Voilà. Vous avez donc le pare-feu qui est mis d'office par défaut sur KDE. Alors ce n'est pas la peine de télécharger GUFW. Il y a déjà le pare-feu ici. Par contre, les règles, attention, il y a des règles. Là, c'est ignoré. Donc là, il faut mettre donc rejeté. C'est mieux, vous êtes plus en sécurité dans ce sens-là que quand c'était marqué ignoré. La stratégie entrante par défaut doit être sur rejeté. Si je me fie au pare-feu GUFW, enfin UFW, apparemment, la règle de sécurité, ce serait comme ça. Donc je vous conseille de mettre comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, veuillez redémarrer le pare-feu, ok. Ça, on verra bien après. Donc là, c'est bon. Donc je vais vous faire voir ça déjà. Donc là, maintenant, je suis en train de télécharger des icônes, et on va voir. Par contre, vous avez ce message-là. Vous avez un message en haut, là. Je vous invite à le lire, donc. Donc je vais télécharger quelques icônes, et on va voir comment ça se comporte. Alors, je vais pas en mettre beaucoup, hein, je vais en mettre quelques-uns. Lesquels je pourrais mettre. Il y en a tellement que... On va essayer celui-là, allez hop, on verra bien. Donc il suffit juste de se mettre dessus et de cliquer sur installer. Je vais en mettre quelques-uns. Ouais, je vais mettre celui-là puis je vais m'arrêter. Voilà, c'est bon, je ferme. Alors maintenant, pointeur. Donc est-ce que je peux aller télécharger d'autres pointeurs par hasard? Et là, vous voyez, on peut pas... Là, obtenir de nouveaux pointeurs. Ah si, on peut. Ah ben, j'avais pas vu. Donc pareil, hein, pointeur, si vous voulez. Par contre, c'est un peu gros comme ça. Aperçu. Ah, ça va mieux comme ça, parce que sinon... Alors, il est un peu... Ah, je vais mettre celui-là, on verra bien. On va installer ça. Choisissez votre option d'installation. Wow, c'est quoi ce bordel là? Bon, on va faire ça.
qu'est-ce que je vais mettre comme pointeur? Bon, enfin bref, c'est par là, hein. Voilà. C'est par là, si vous voulez. Allez-y. Moi, je vais me contenter de ça. Pour activer, bah, vous sélectionnez ici. Et vous faites appliquer surtout. Écran de démarrage, vous pouvez aussi changer, mais bon. Obtenir des nouveautés. Bon, ça, c'est gadget, hein. Là, vous avez donc mes écrans de démarrage. Bon, je l'ai fait sur mon PC, ça fonctionne. Bon, je vais laisser comme ça. Et encore, ouais, je vais peut-être mettre le même que j'avais mis sur mon PC. Je sais plus c'est lequel. Je me rappelle plus c'est lequel que j'ai mis. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc, hop, je vais mettre celui-ci. Bon, ça y est, il a été installé normalement. Et là, on le sélectionne. Ça y est, il est appliqué ou pas? Ouais, bon, bah c'est bon, apparemment il l'a pris en compte. Bah, j'ai pas cliqué sur appliquer, mais il l'a pris en compte. Bon, bref, voilà, il y a des choses par là si vous voulez. Là, je sais pas si c'est un bug. Regardez, app NCE. Je sais pas si c'est un bug. Parce que c'est bizarre, il y a un espace là, c'est bizarre. Ah oui, c'est, en fin de compte, c'était apparence. Ouais, c'est chelou ce que ça a fait là. Alors, j'étais où moi là? Apparence. Ouais, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Puis là, je me rappelle plus où j'étais. Ah, vous pouvez aussi directement installer Discover et donc avec les moteurs Flatpak et Snap. Bon, Snap, je connais pas. Flatpak, oui. Donc pour les installer, c'est ici. Hein. Bon, je vais installer les deux, on verra bien. Comme ça, ça me donnera l'occasion de découvrir Snap. Intègre des applications, intègre les applications Snap au sein de Discover. Bon, on va installer, on verra bien. Parce que des fois, on trouve pas tout dans... Ici, là, par là, des fois, on trouve pas l'application. Donc il faut aller sur Snap ou Flatpak. Alors, normalement ça c'est bon. Je vais relancer une mise à jour pour voir. Bon ben voilà, voilà donc comment ça se passe, grosso modo, sur un X23.1 KDE. Bon là aussi, je ne sais pas si c'est un bug, mais je viens de modifier ici la latence dans compositeur. Et regardez maintenant, on n'a plus ici le descriptif. Donc là, problème, gros problème. Avec le bureau KDE, l'environnement bureau KDE. Donc là, je vais remettre comme c'était. Réglage par défaut. Appliquer. Et là, pareil. Là, gros problème. Là, on n'a plus le descriptif. On sait plus à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un bug ou pas? En tout cas, moi, ça me fait peur quand même. Parce que si c'est ça, MX23.1 avec KDE, et pourtant, je viens de remettre par défaut. Gros souci. Alors, je vais essayer de redémarrer. Alors, j'étais où, là? J'étais dans quelle rubrique? Alors, non, ce que j'ai fait ça, et j'ai fait... J'étais là. Je suis allé, donc, ici. Je suis allé dans compositeur, et voilà. Et je n'ai plus le descriptif. C'est un peu bizarre. Pourtant, j'ai remis par défaut. Alors, préférer une faible latence équilibrée, préférer les animations les plus fluides. On va essayer de remettre comme ça pour voir. Ouais, bah, gros problème. Bon, réglage par défaut. Appliquer. Bon, bah gros problème, hein. C'est pas cool du tout, parce que là, si ça se passe comme ça, bah à mon avis, ça va faire fuir. Ça va faire fuir les personnes qui veulent se lancer sur... Alors, je sais pas si ça fait ça sur les autres distributions avec l'environnement KDE, mais en tout cas, sur MX, ça fait ça. Et malgré mettre réglage par défaut, eh bien, on n'a plus le descriptif. Ouais, pas cool du tout. Donc là, si c'est ça, eh bien, je ne vais pas me servir de KDE. En tout cas, pas de la MX23.1 avec KDE, parce que j'ai pas envie de me chercher. Parce que là, vous voyez, pour remettre, eh bien là, c'est une grosse merde. Surtout que réglage par défaut, ça ne fonctionne pas. Alors, si je redémarre, ça fait quoi? Je vais essayer de redémarrer pour voir. Est-ce que ça va revenir ou pas? On verra bien. Je vais attendre quelques secondes que ça charge bien. Alors, je vais essayer à nouveau. Ah bah non, c'est pas revenu. Et pourtant, j'ai remis par défaut. Mais normalement, on a les écritures ici parce que là, je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir ça si on ne sait pas à quoi ça sert. Si on n'a pas le descriptif. Donc, à mon avis, c'est gros bug. Donc voilà, c'est fini. Je ne vais pas vous recommander MX23.1 avec KDE parce que là. Ou sinon vous ne touchez pas, parce que je viens de vous faire voir, vous ne touchez pas. Mais voilà, le mieux, c'est quand même de ne pas la recommander pour l'instant.